Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la lutte, il lutte propre comme un archiduc. On peut ça me doute, Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas, les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chute, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Kubrick et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresne, pour que Fresne le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais on brandit et les shit et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau West?